Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour le premier unboxing de chez Yamantar Club. Donc pour celles qui connaissent, vous reconnaissez les belles boîtes. Alors je sais pas si vous allez voir. Celles qui connaissent pas, les boîtes, elles sont holographiques. C'est des boîtes qui brillent. Donc ces boîtes là arrivent dans des autres cartons. Donc c'est très très bien emballé, très bien protégé. Sur toutes les boîtes, vous avez ici le symbole en fonction de si les diamants sont ronds ou carrés. Ils ont plusieurs tailles de boîtes en fonction de la taille d'étoile. Vous avez derrière un petit récapitulatif de comment fonctionne le diamond painting. Sur le côté aussi, vous avez le style de diamant que c'est. Et donc les boîtes sont également emballées dans papier plastique. Le joli bébé. Donc le toolkit de base de chez Yamantar Club. Donc vous avez là, comme ce sont des diamants carrés, une pince à pointe fine. Alors je ne l'ai pas encore testé, à voir. Moi j'en ai une qui a des pointes encore plus fines, donc à voir ce que ça donne. J'essaierai quand je ferai la toile. Donc vous avez un petit stylet bleu avec la petite mousse à mettre autour pour le confort. Vous avez plein de sachets zip. Un multiplacer de 3 ou 4, je pense. Vous avez deux pains de cire en forme de cœur et une petite barquette transparente. Donc du coup, quand vous avez des diamants ronds, c'est le même kit, sauf qu'il n'y a pas la pince. Alors, donc, sur l'emballage, vous avez l'effigie, pareil, de Yamantar Club. Donc vous avez pareil dans tous les kits un petit fascicule qui vous explique comment faire du diamond painting si vous en avez jamais fait. Vous avez un code de réduction de 10% sur votre prochaine commande. Donc là je vais vous le montrer en détail après, mais il y a beaucoup 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 de couleurs. Alors cette toile est en carré. Donc là, vous avez aussi, alors là forcément la caméra, ça ne se verra pas, la toile c'est du velours. Vous avez aussi le bord qui est dentelé. Attention. Et voilà. Je vais vous la lever. Donc c'est une toile en 70 par 70 normalement. Donc vous avez l'effigie de la marque comme d'habitude. Vous avez deux tableaux récapitulatifs de chaque côté. Voilà, vous avez toutes les infos concernant la toile. Vous avez la taille, donc 70 par 70 avec des diamants AB. Donc ça c'est une toile de Randall Spangler. Moi j'ai craqué complètement sur tous ces tableaux. Donc le dessin est très 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 beau. Donc, on va regarder les couleurs après, mais là, vous voyez déjà toutes les couleurs qu'il y a dans les livres. Il y a au moins un diamant AB. Dans le kit, vous avez donc la petite fiche très pratique qui est autocollant. Tout ça c'est un autocollant, donc vous pouvez, si vous tenez un cahier, là ils ont mis sur les nouveaux sur les nouvelles toiles. Donc vous avez là quand est-ce que vous commencez la toile, quand est-ce que vous la finissez. Donc vous avez le dessin, tout le récapitulatif en bas, la taille, tout ça. Et en fait ici tout est autocollant et prédécoupé. Donc du coup quand vous rangez dans les petites les petits pots, tout ça, vous n'avez plus qu'à coller. Donc c'est un super gain de temps. Et alors normalement, si je dis pas de bêtises, donc c'est les DMC en dessous de 150 qui sont AB. Donc là a priori on a 3. Voilà. Donc les ribambelles en général sont rangées par quantité de diamants. Donc là vous avez du rouge, du violet, du bleu, un vert d'eau, un bordeaux,
du bleu, un jaune un peu pâle, un autre bleu, deux roses, un autre bleu, un vert. Là, vous avez des teintes de violet. Alors là, il y a un premier, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des petits reflets plus clairs par rapport aux autres. Donc ça, c'est le premier AB, donc ça, il n'y en a pas beaucoup. Là, vous avez un gris, un vert, un gris beige très clair et un violet. Alors, là, il y a une petite ribambelle avec... Là, c'est du 310. Oui. Là, vous avez un vert plus foncé, un orange. Alors, là, vous avez des rouges. Alors, ils paraissent presque orange, mais en fait, ils sont bien rouges. Hein. C'est des rouges presque bordeaux. Là, vous avez le deuxième AB, donc qui est un AB blanc. Là, il y a un orange, un autre orange, un jaune, un bordeaux, deux bordeaux. Là, vous avez deux oranges, deux marrons. Un bleu foncé, un marron plus foncé, un vert, des marrons, du noir et la dernière ribambelle. Donc vous avez du marron, du bleu, un fuchsia, un bleu, et c'est le troisième AB. Du coup, ça, vous voyez le reflet. Un petit peu plus pastel. Donc là vous avez un marron, du orange, le bleu foncé, le rouge, un bleu clair, un bleu foncé, un marron foncé, un bleu, un vert pétant. Là vous avez des verts, des verts. Là, vous avez le rouge et du marron. Donc, comme vous voyez, il y a un paquet de diamants à poser. La toile est magnifique. Alors, et du coup, les AB, donc c'est les symboles 1, 2, 3. Je vais regarder un petit peu où est-ce qu'ils sont. Alors, le 3, vous en avez un petit peu ici, là. Vous en avez dans la lampe. Un petit peu ici aussi au niveau du livre. Vous en avez aussi dans l'autre lampe. En tout cas, les symboles, je vais essayer de vous montrer de près. Les symboles sont archi, archi nets. Voilà. Donc comme c'est des carrés, c'est imprimé en carré, évidemment. Et là, que ce soit dans le foncé ou dans le clair, tout est très, très net. Je sais pas si ça se voit, mais la toile est pailletée, ça brille. Donc même si ça ne se voit pas une fois qu'on a fini de diamanter, quand on l'a fait, je pense que ça doit être très agréable. Donc j'ai pas encore commencé. Je viens juste de recevoir mes premières commandes. Donc je vous donnerai mes impressions dès que j'aurai commencé un des tableaux, dès que j'aurai fini une de mes toiles en cours. Donc si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres unboxings de Diamant Art Club. Et il y aura aussi, là j'ai fini de réaliser quelques toiles, donc je vais vous montrer ça bientôt en vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour rester au courant. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous.